Pékin. Il faut déplaire beaucoup à certains. Pour plaire à d'autres, tellement. Antoine Doinel 21 sur 4, deuxième. Ha! Où est-ce qu'il est cherché? Oh là là, j'apparais, ça fait plus le bruit qu'à toi. Puis vous aviez dit qu'il fallait un gars qui soit gouailleur. Gouailleur ? Oui. Quand j'ai revu ses essais, plus tard bien sûr, je me suis aperçu que cet enfant se rendait compte que c'était l'un des moments les plus importants de sa vie qu'il était en train de jouer et qu'il fallait qu'il ait ce rôle dans ce film. D'autres 13 ont formé un étrange équipage. 13 pour chasser le snark. Ils n'auraient rencontré le bout. Joum qui les vit s'évanouir, passe le temps qui le gomma. D'autres 13 ont formé un étrange équipage. Barre-toi, petit con! Il fait tout le temps rire, Jean-Pierre Léaud. Il fait rire même quand il lui arrive des malheurs. C'est pas l'homme fort, ce que les Sud-Américains appellent le macho, vous voyez, comme Lino Ventura. Moi, là, je pense tout de suite à la phrase de Cocteau. Elle dit « Ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. » Plus on paraît fou comme ça, plus on va loin. Le fou, c'est l'au-delà. Ah ben écoutez, dites-lui qu'Antoine Doinel a un enfant. Le fait est que, au fur et à mesure que les ans ont passé, je me suis mis à ressembler physiquement à Truffaut. Et avec Eustache, le phénomène s'est produit tout de suite et complètement. Je sers réellement, alors là, d'intermédiaire entre le spectateur et Eustache lui-même. D'ailleurs, Romère, qui a vu le film, dit c'est très bizarre. Dans les films de Truffaut, vous ressemblez à Truffaut. Et dans le film d'Eustache, vous ressemblez complètement à Eustache. Et pourtant, Eustache ne ressemble pas à Truffaut. On est dans un film. On est dans un film. Moi aussi, j'aimerais bien avoir un bébé. Ou bien vous pourriez me donner celui-là. Tu veux que je te dise, c'est nul, c'est de la merde, je t'emmerde, voilà, c'est nul. Jean-Pierre Léaud, c'est sans doute un des plus, enfin, le plus grand acteur français. Mais on se connaît, non? J'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Non, certainement pas. Thank you.
cahier du cinéma. That my phone number. Jean-Pierre. That's my name. Jean-Pierre. Mais qu'est-ce que j'ai? J'ai l'air vieux aujourd'hui. Écoutez, le cinéma, pour reprendre la phrase de Jean Cocteau, est le seul art qui filme la mort au travail. Celui qui est en train d'être filmé est aussi en train de mourir. Bon, effectivement, j'étais en train de vieillir devant la caméra. Et c'est pour ça que je vais vous dire une petite phrase qui est la dernière phrase de Michel O'Hara, Orson Welles, dans The Lady of Shanghai. « Mon innocence éclate, mais innocent ou coupable, cela ne veut rien dire. L'essentiel, c'est de savoir bien vieillir. »